Bonjour, nouveau thème Harry Potter. Pour moi, l'étoile étrange n'est peut-être pas morte dans les animaux fantastiques de Les Crimes de Grindelwald. C'est une saga qui est liée à la saga Harry Potter, c'est pour ça que je l'inclus, cette théorie, dans mes nouveaux thèmes Harry Potter. Donc pourquoi? Eh bien, parce que Gellert Grindelwald ne lance pas l'Avada Kedavra, je pense, sur l'étoile étrange. Car il n'y a pas d'étincelle verte au bout de sa baguette sur le sort qu'il lance. Au contraire, c'est de couleur bleutée argentée, gris bleuté, gris argenté, et elle se dématérialise. Quand il y a un sort de Avada Kedavra, eh bien la personne qui subit ça ne se dématérialise pas. C'est aussi à cause de ça que pour moi l'étoile étrange n'est pas morte, peut-être. Elle est sans doute emprisonnée dans la prison de Gellert Grindelwald par lui-même. Si vous avez d'autres arguments qui pourraient compléter et enrichir cette théorie sur l'étoile étrange qui n'est peut-être pas morte, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Maintenant, je vais passer à la première question de la nouvelle coupe des quatre maisons. Sur le quiz des anciens élèves de Poudlard. Trois membres de la maison des Poufsouffles sont devenus ministres de la magie. Lesquels? Je précise que pour les abonnés qui participent, n'hésitez pas à me dire votre maison dans les commentaires, comme ça au moins je sais. Et de toute façon, cette question est notée en description avec les trois possibilités de réponse. Je vais vous laisser une minute de réflexion, une fois que j'aurai fini de lire les trois possibilités de réponse. Donc je relis la question. Trois membres de la maison des Poufsouffles sont devenus ministres de la magie. Lesquels? Réponse A. Grogan Stump, Églantine Pufette et Janus Stick. Réponse B. Grogan Stump, Artemisia Lufkin et Dougald MacPhail. Réponse C. Grogan Stump, Adalbert Lazornet et Vin Tictus Viridian. C'est parti pour la minute de réflexion. Et en même temps, je vais répondre. En même temps que vous. Voilà, la minute est écoulée. Alors moi, je vais vous dire ce que j'ai répondu. C'est une question où je ne savais pas quoi mettre en fait. Franchement, j'en avais aucune idée. J'ai répondu la première
possibilités de réponse. J'ai mis Grogan Stump, Églantine Puffette et Janus Stick. Voilà. Alors, je n'en sais rien si c'est bon ou pas. J'ai fait au pif. Des fois, quand on fait au pif, ça marche. Je ne sais pas si les prochaines questions seront toutes compliquées les unes des autres. J'espère quand même qu'il y en aura quelques-unes qui seront quand même un petit peu faciles. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas pour ceux et celles qui sont intéressés à réagir dans les commentaires, notamment pour me faire part de ce que vous pensez de la théorie sur l'étoile étrange qui n'est peut-être pas morte. Et puis pour les abonnés qui sont intéressés à jouer le jeu sur cette nouvelle coupe des quatre maisons, n'hésitez pas à mettre votre maison dans les commentaires et ensuite à répondre à cette question en mettant votre possibilité de réponse. Votre possibilité de réponse, pardon. Oui, parce qu'il faut en choisir une. Mais ça, vous le savez. J'ai juste bugué un peu, désolé. Donc, voilà. Je vous retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse. Je vous dis bye. Allez, ciao!